Et découvrez le l'étonnant tour, il a 100 ans, de Michel. Michel, on le met en route, hein, c'est ça, hein? Ah oui, on va le mettre en route, maintenant. Alors, comment ça marche? Alors, ça marche avec un moteur, sur la tripodée. Voilà. Après, c'est démultiplié, il y a une boîte à vitesse. Attends, la boîte à vitesse, elle est où? Elle est là-dedans. Là. Elle est là-dedans. On peut faire le tour, et puis là, on tourne là, hop, et là, ça tourne à l'endroit. C'est ça. Alors, je change ma vitesse, suivant les rapports. Et là. Voilà, il y a les rapports. Voilà. Et puis là, suivant comment je fais, ben là, je vais tourner à l'envers. Ah, il y a deux sens alors. Ouais, ouais. C'est moi qui ai combiné ça. Ah, c'est toi qui as fait ça aussi. Ouais, c'est moi qui ai combiné. Alors, il y a ça aussi qui se déplace, c'est ça, hein? Ouais, ça se déplace la pièce, automatiquement, là. Ouais. Mais l'avance automatique, là, ça tourne tout seul, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, ça date de 100 ans, il vient d'où ce tour? Il vient d'Ugine. Ah oui. Et le papa, c'est le papa qui l'a mis en place. Oui, 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 oui. C'est extraordinaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on fait avec un engin pareil? Ben, on fait pas beaucoup de pièces, on fait des pièces comme ça, on tourne, quoi. Il voilà, faut tourner, un tour, ça sert à tourner. Par exemple, là, donc il y a une pièce, c'est quoi cette pièce-là? Ben, c'est un pignon, quoi. D'accord. Puis après, ça a une fraiseuse pour faire les dents. Mais voilà. Au début, il faut le tour pour faire voilà. Ça. Faut... Et tu travailles au millimètre près, enfin presque. Oh, c'est au centième, moi. Au centième, ouais, ça y est. Au centième de millimètre. Centième millimètre, c'est un millimètre divisé en 100. Et on en prend une partie. Et oui. Alors, hein. C'est pas... Donc ça veut dire que c'est vraiment. Un cheveu fait 3 centièmes. Et là, c'est au centième. Ouais. Bah, disons un tiers. Non, 2 centièmes, j'arrive à travailler. 2 centièmes. Ouais, 2 centièmes. Tolérance. Voilà. On appelle ça, tolérance. Alors, mécanicien toute ta vie, ça a servi, ça a fait des tours et des tours. Ah ben oui, hein. Ben, c'est sûr. Ah ben, j'ai 85 ans, moi. Il a 85 ans, Michel Blanc, à nos côtés. C'est pas l'acteur, mais c'est un spécialiste de la mécanique. Il y a un atelier qui est exceptionnel. Nous sommes au Grand Bornand, évidemment. Mais vraiment exceptionnel. Et voilà. Et ce tour sert encore à 85 ans, évidemment. Bien sûr de m'en faire. Il m'en demande des pièces à faire. Hein. Ouais. Et puis, il y a tellement moi, de pièces. Je suis conseillé avec le pape, moi. Le pape, il est né le 17 décembre 1936. Voilà. Même jour, même mois, même année. Dis donc, alors, conscrit parfait avec le pape, et on ne va pas dire jumeau, mais pas loin. Ça, c'est extraordinaire. J'y ai su il y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, voilà. Qu'il était né le 17 décembre. Eh bien voilà, eh bien écoutant, on apprend ça aujourd'hui. Célébrité. Atelier extraordinaire de Michel Blanc ici, avec ce tour. Alors, il faut dire aussi qu'on l'entretient, parce qu'on voit un petit peu d'huile partout, c'est ça, hein? Ah, pour l'entretien, ah oui, ben, moi je graisse, hein. Moi j'ai la burette à côté, là, attention, hein. La burette, il faut deux sortes d'huile. Ça c'est l'huile pour graisser les paillets. Puis après, on a l'huile de coupe, on appelle ça. Ouais. Comme les tours à décolleter. Parce qu'on ne travaille pas à sec. Il faut mouiller. Toujours de l'huile, toujours mouillée. Hein. Toujours mouillée, bien sûr, ouais, comme les tours à décolleter. Quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'on rappelle que le décolletage, c'est pas bien loin, c'est la vallée de l'Arve. Et que dans le décolletage, ils ont des tours comme ça, mais pas les mêmes non plus maintenant. Ah, mais ils sont en commande numérique maintenant. Oh là là, la commande numérique, c'est pas encore le cas ici. Hein. Pas encore, non. Mais on travaille très bien avec une grande précision ici. Hein. Ah ouais, oh ben, il y a un savoir-faire dans la vallée de l'Arve qui est spécial. Il travaille pour les Chinois. Si ça veut dire qu'on travaille pour les Chinois, ça veut dire aussi... Ton papa a été élève de l'école d'horlogerie de Cluse. Cluse, oui, bien sûr, il a fait 3 ans là-bas. Et t'as un CAP de tourneur. Oui, moi j'ai un CAP de tourneur, puis un CAP de mécanicien auto. Ça, c'est incroyable, ça. Mon père, il a été diplômé, il était sorti numéro 2 de l'école de Cluse. Eh bien, bravo, ton papa qui était un personnage premier, aussi. C'était le maire de Cluse, Béchet, il s'appelait. Oui, exact. Celui qui fabriquait des tours, quoi. Absolument. Ouais. Et il allait à l'école à pied. Grand Bornand, Cluse, à pied, par l'école de la Colombie. Le papa faisait combien de kilomètres? Il y a des kilomètres, hein? On ne sait rien. Oh, il y a 11 kilomètres pour Elarbin, bah, et 25 kilomètres. Voilà, écoutez, un temps à pied. Incroyable. Voyez le tour qui nous renvoie à l'histoire, le passé de nos montagnes. Ça, c'est extraordinaire. On va te remercier un grand merci, Michel Blanc. Remets-le un petit coup en route, pour voir comment ça marche. Vas-y, tiens. Voilà. Attention, on appuie sur le bouton, là. Et au début, c'était un tour à pédale. Ah, au début, c'est un tour à pédale. Il fallait pédaler. Merde. Ça va, ça tourne bien. Oui, l'avance automatique, ouais. Extraordinaire. Là, c'est un tour. Et mon père disait, mon pauvre putain, j'ai dû faire le tour de France, il dit. Ah oui, parce que c'est le papa qui pédalait avec le tour. Et le tour à pédale. Il n'y avait pas d'électricité, il y a 100 ans. Bah, bien sûr. Bah, pas le choix. Alors que maintenant, c'est commande numérique, il y a quand même moins d'efforts à faire aujourd'hui. Ah, bah, bon, c'est un. Ouais. Ouais. Mais sur la commande numérique, la première pièce, elle est foutue. Ah, pourquoi? Bah, parce qu'après, il corrige. Ah, exact. Il corrige, tac, 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 tac. Après, ça débite, ça débite, d'accord. Ça débite.
D'accord. Si l'outil casse, enfin, si l'outil de casse, alors là tout s'arrête automatiquement. Mais bien sûr. Ouais. Eh bien, on va saluer nos amis décolteurs de la vallée de l'Arve, décolteurs qui ont fait beaucoup un bon travail là-bas. Et une pensée particulière pour Yves Bontaz, qui lui aussi a été un créateur, innovateur, entrepreneur. Merci Michel. Voilà, à bientôt. À bientôt, merci Michel. Merci beaucoup.